Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Yasmine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer ce délicieux cake à la banane qu'on appelle aussi banana bread. C'est un gâteau hyper moelleux et très simple à réaliser. Je vous invite à suivre avec moi la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et tout de suite les ingrédients. On va utiliser 400 g de banane, environ 4 pièces, qui doivent être bien mûres. 300 g de farine T45, 150 g de sucre, 4 œufs, 140 g de beurre fondu, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique 11 g, une cuillère à soupe de jus de citron et pour décorer une banane. Je commence par mettre mes bananes dans un saladier et je viens les écraser à l'aide d'une fourchette. Voilà, quand j'ai bien écrasé mes bananes, je vais ajouter le sucre, le beurre fondu et refroidi, les 4 œufs, et le sucre vanillé. Et je viens mélanger le tout à l'aide d'un fouet. Ensuite, j'ajoute la farine. Et la levure chimique en la tamisant. Une fois qu'on a bien mélangé, on ajoute la cuillère à soupe de jus de citron et on mélange. Et voilà, ma préparation est prête. Ensuite, je prends un moule rectangulaire d'environ 30 cm sur 10 que j'ai chemisé d'un papier cuisson et je verse dedans ma préparation. J'égalise bien la surface. Voilà, je laisse de côté. Ensuite, je prends la banane que j'avais laissée de côté. Je l'épluche. Et je la découpe en deux, comme ceci. Voilà. Je récupère mon gâteau, je mets la moitié de ma banane comme ceci et l'autre moitié de l'autre côté. Voilà. Et je viens mettre un peu de sucre par-dessus pour caraméliser mes bananes. Ensuite, je l'enfourne dans un four préchauffé à 170 degrés pendant une heure. Après une heure de cuisson, mon gâteau est bien cuit. Je vérifie la cuisson à l'aide d'un bâton. Si celui-ci ressort propre, c'est que mon gâteau est cuit. Je vais le retirer et je laisse refroidir totalement avant de passer au démoulage. Voilà, quand mon gâteau a bien refroidi, je vais le démouler. On le démoule délicatement. Ça vient tout seul. Et ensuite, on enlève le papier cuisson. Regardez, il est hyper haut. Bien moelleux. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Et surtout, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt.